Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ouverture de courrier. J'ai reçu une jolie enveloppe dans ma boîte à lettres, toute décorée. Donc, ça nous vient de Béatrice. Je ne sais plus si je crois que tu mets ton... Bon, on va juste dire Béatrice, je ne sais plus si tu mets ton nom dans les... Ah, pour ton pseudo YouTube. Donc, Béatrice de Belgique. Alors, hop, je vais ouvrir... Là, je vais mettre ça là qu'on voit pas les adresses. Du coup, j'ai reçu une jolie carte. Elle est belle la découpe. Hein. Donc, on a tout un fond patouille, des éclaboussures de, je sais pas, c'est de l'aquarelle dorée ou un autre produit. On doit avoir du pochoir aussi, je pense. On voit légèrement des flocons. En transparence, ouais, je pense que c'est ça, t'as un pochoir, des tamponnages flocons, le meilleur vœu, et la jolie découpe. Donc, avec beaucoup de retard, bon écoute, il n'y a pas de souci, c'est très gentil déjà de m'envoyer un petit courrier. Je te remercie Béatrice. Alors, j'ai une petite ATC, donc avec le fond assorti, mais là on a un petit pingouin. Hop. Alors, c'est Noël 2022, année 2023, la une sur une. Donc, par Béatrice. Hop, après, tu m'as mis des petits tamponnages, je te remercie. J'ai des tamponnages. Hop. Il est rigolo, le petit pingouin. Des petits ours. Encore des petits ours. Et encore des petits ours. Trop mimi, je te remercie. Et là, on a... c'est ça, c'est un ABC, je crois. Hein, si je dis pas de bêtises. Donc avec un fond pareil, je pense que c'est toi qui as fait, ouais, fond patouille. Ça je sais pas, non c'est des stickers, j'allais dire c'est de l'embossage mais non c'est des stickers. Ah parce que j'aperçois un petit contour. Ah un petit contour transparent avec un bonhomme de neige, des tamponnages de fond, très joli. Donc là faut que je récupère le timbre, je l'ai reçu quand je ne sais plus. Oui parce que je l'ai reçu il y a 2 jours je crois. Hier, avant-hier, je sais plus. Je suis paumée. C'est tellement la course là que je ne sais plus. Enfin, je regarderai sur le message que j'ai envoyé à Béatrice pour dire que son courrier était arrivé, mais que j'avais pas le temps de l'ouvrir tout de suite. Donc la vie n'est pas d'attendre que les nuages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. Ok, donc là je sais qu'il faut que je mette le timbre et la date. Je te remercie beaucoup, Béatrice. Hier je suis passée à la poste, donc du coup j'ai pris des timbres pour te répondre. Ce sera peut-être pas sur le thème bonne année parce que là j'en ai plus et puis je vais pas en faire, je suis méga labour hein, sur plein de choses. J'avais préparé des tamponnages pour faire une série d'ATC et ma page du Art Journal sur thème Saint-Valentin, j'ai pas eu le temps. J'ai pas mis les pieds du tout ici depuis une semaine, plus d'une semaine. Hein. Si la course, c'est la course. Donc du coup je te referai un courrier réponse. Je ne sais pas trop quand, mais là, bon, je te répondrai. J'ai acheté mes timbres. J'espère que tout le monde, d'ailleurs, a bien reçu ses réponses, parce que j'ai un doute sur certaines personnes. Parce que moi, j'ai envoyé toutes mes cartes réponses, sont parties, hein, depuis un bon bout de temps, même pour certaines. Je suis en train de me demander si la poste m'a pas perdu des courriers. Je suis un petit peu verte. Donc, normalement, voilà, toutes les personnes qui m'avaient écrit les cartes sont parties de fin janvier à début février. Donc, vu que là, on est quand même le 18, ça aurait dû arriver depuis longtemps chez tout le monde. Si c'est pas arrivé, je pense que c'est la poste qui les a perdues. Donc, Béatrice, t'inquiète pas, j'ai pris ce qu'il faut, je te répondrai. Tu sais, même si ça prend un peu de temps des fois, mais ma réponse arrive toujours.
Voilà, je sais pas quand est-ce que je vous referai des vidéos, parce qu'en plus là c'est les vacances donc c'est pas très calme. Enfin là c'est calme parce qu'ils sont partis à une compète. Donc j'avais un peu de temps, j'ai dit je vais aller faire la vidéo pendant que c'est calme. La semaine prochaine, bah, j'ai les deux loulous en vacances. Soit j'arriverai à trouver du temps et je vous ferai une vidéo mais en musique. Ou alors bah faudra attendre qu'ils reprennent l'école, à voir comment se déroule la semaine prochaine. J'ai encore pas mal de choses à faire, donc on verra. Voilà, bon, bah, j'arrête mon blabla, je crois que je me répète. Merci Béatrice, j'arriverai bientôt dans ta boîte à lettres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!